Yop YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, on n'est pas sur du BMX, on est sur complètement autre chose. Faut savoir que du coup pendant ma blessure je me suis intéressé à d'autres sujets et ces derniers temps je m'intéresse pas mal à la musique et j'ai contacté du coup quelqu'un qui est local aussi, qui est vers chez moi. Donc ça c'est encore génial parce que du coup on peut du coup connaître un petit peu les gens locaux. C'est cool, ouais. C'est encore mieux, c'est Victor à Cavanco. Ouais. Donc je vous mettrai un petit peu, de toute façon je vous mettrai en description ses réseaux sociaux, sa chaîne YouTube si vous voulez voir un petit peu ce qu'il fait. Pour vous rendre compte un petit peu de son travail, de ce qu'il fait rapidement, je vais vous mettre un petit extrait de sa dernière musique. C'est la dernière minute, ouais, pour faire tout à fait. Dernier voilà. Projet. Voilà, bah, c'est le dernier projet, je vous mets maintenant tout de suite. Devenir une rockstar, rapper pour tous tes concerts. Allez, viens, on style de là, viens, on style de là. Je veux devenir une rockstar, rapper pour tous tes concerts. Allez, viens, on style de là, viens, on style de là. D'où ça devient toi, c'était de la musique? Moi j'ai fait longtemps de la musique, j'ai fait 9 ans de batterie, donc ah instrument, ouais. Okay. Avec 5 ans de solfège. J'ai dû arrêter pour les études, ouais. Et pendant que je faisais mes études, ça m'a vraiment manqué. Okay. Et du coup, bah, je me suis acheté un petit setup assez sympa. Ouais. Et donc j'ai fait mon petit studio, j'ai fait mes trucs et j'ai commencé à faire mes sons. C'est comme ça que c'était venu du coup? Ouais. Ça fait combien de temps du coup là que t'en fais? Là, de la musique en studio, ça va faire bien 2 ans. 2 ans? Ouais. Ok, donc là ça fait 2 ans que tu t'es aménagé ce petit studio. C'est ça. Donc toi, entre guillemets, c'est quoi? On peut dire un nom de scène en fait? Ouais, ouais, c'est ça. Banco, ouais, bah, c'est un nom qui est très important pour moi. Ouais. Faut savoir qu'avant, j'habitais pas ici et j'avais un autre prénom qui était Ivan. Ok. Et dans ce pays-ci, Ivan, ça se disait Vanco. Et du coup, bah, je l'ai gardé parce que je trouvais qu'il y avait vraiment une signification profonde pour ce prénom. Bah ouais, ouais. Et du coup, j'utilise en tant que nom d'artiste. Dans quel pays? C'est en Bulgarie. Bulgarie, ok. Ouais, c'est ça. Et donc là, du coup, ça se prononçait Vanco, c'est ça? Ouais. Et du coup, c'est ça, tu l'as gardé. Mmh, ouais. C'est trop bien. Ah, ouais, ouais, ça touche un peu le cœur, t'as vu. C'est vraiment un truc très important. Vraiment mon nom à moi, et pour le coup celui-ci il est vraiment à moi. Ok, ouais, ça, ouais, ça touche vraiment personnellement. Et moi je trouve ça ouf et super intéressant, c'est que toutes tes musiques tu les as fait toi-même déjà, de A à Z. Tout vient de moi, il y a une base zéro, donc ouais, tout noir. On fait la prod, on fait les paroles, le clip et on met tout. Ok, bah c'est ouf que tu parles de tout ça, parce que tout ça on va y voir justement dans cette vidéo. Et puis bah surtout tu vas nous présenter du coup ton studio, là où tu bosses. Ouais, carrément, ouais. Parce que là tu t'es fait un super setup, on va te présenter, ouais, tout ça. Donc là comme vous pouvez le voir, je suis dans son studio. Donc c'est... Bon, moi honnêtement je connaissais pas, donc du coup je trouve ça tellement bien. Et je pense que pour ceux qui s'y connaissent dans les commentaires vous direz, mais je pense que c'est déjà très quali pour faire vraiment des bons trucs en fait. Donc du coup par quoi tu veux commencer? Je vais présenter les différentes parties en fait, parce qu'au final t'as la partie où t'enregistres. Ouais. Ici, et je me suis fait ça genre hyper quali comme tu dis. Bah c'est ça. J'ai vraiment l'accès à ma carte son. Ouais. Et à côté comme ça dès que j'ai mon casque avec microphone, si j'ai un truc à régler je le règle là. Je me suis mis mon PC principal ici, comme ça là j'ai quand même un visuel sur tout ce que je fais. Mes deux enceintes comme ça le son il me revient directement et c'est plutôt sympa. Et du coup j'ai une autre partie qu'on va retrouver ici, là où je m'assois et je fais vraiment mon mix plus précis, vraiment les petites retouches finales, je mets mes petites bandes son. En fait on a vraiment deux parties, on a la partie enregistrement, ouais, et la partie où on est plutôt sur le mastering, le mixage et tout ça. On avait la partie vraiment pour la technique, mais faut savoir que du coup faire une musique faut avoir l'idée justement, et tu t'es fait un petit coin. C'est ça, je me mets ici et je passe des heures à regrouper tous les petits bouts de texte que j'ai chopé à droite à gauche quand je me balade. Et là du coup je me pose sur mon téléphone, je mets en boucle tout mon instru et je mets mon texte en ordre, je fais tout ici. Tout ce qu'il vous a montré là, c'est chez toi, c'est ton studio, et ce studio, tu lui as donné un nom? Ouais, Studio Saturn, ouais. Il n'y a pas de réelle signification à ça, mais je trouvais ça sympa. Moi, ça me fait vraiment penser, tu sais, quand genre Saturn, genre planète, univers, au fait que du coup, tu peux aller dans un autre univers, ouais, quand tu fais une musique. Enfin, en fonction de la musique, en fait, tu vas aller vraiment dans un autre univers. Et donc là, du coup, justement, Victor, il va un petit peu nous expliquer comment on fait une musique en partant de rien à un résultat comme Rock Live, comme j'ai pu mettre l'extrait tout à l'heure. Voilà, comment tu fais, comment ça se passe. Forcément, dans la musique, tu as quand même besoin de beaucoup d'inspiration pour écrire un son, et comment, ouais, tu trouves cette inspiration? Inspire, elle vient pas toute seule. Faut pas se forcer, ça vient un peu quand ça vient. Bah tu vois, moi je prends le délire, je prends deux styles différents comme Rock Life, je, ouais, fais du rock et du rap, je les ai mélangés pour faire un son. Et bah là, je vais chercher dans deux styles un peu différents, et là c'est là où mon inspire va venir pour, okay, pour les mélanger. Là en général, ici, je regroupe tout ce que j'ai dans ma tête. Okay. Mais la plupart du temps, c'est vrai que j'aime bien bouger à droite, à gauche, et ouais, prendre de l'inspire en écoutant ce que les personnes peuvent dire. Tu dois tout avoir ton téléphone sur toi, c'est, ouais, ça, pour, ouais, ouais, ça peut m'arriver de dégainer mon texte d'un coup, sortir une phrase, le ranger, point barre. Une fois que t'as ton idée, une fois que t'as entre guillemets, bah t'as trouvé tes paroles, tout ce que tu vas dire et tout, comment, bah, c'est quoi la prochaine étape après? Et bah du coup moi je me renseigne beaucoup. Je sais que Rock Live, comme je t'ai dit, il y a du rock et du rap, ouais, et je me suis hyper renseigné sur le rock avant de faire du rock. Bien sûr, parce, ouais, que je peux pas aborder un sujet que je connais pas, tu, ouais, vois. Ouais, c'est sûr, ouais. Moi voilà, je travaille à fond le style musical. Okay. J'en parle avec le beatmaker, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Il m'envoie des projets, des maquettes et tout, on voit ce qu'on aime. Ça peut m'arriver de prendre des prods sur YouTube. Quand je veux pas me prendre la tête, je prends sur YouTube. Ouais. Mais c'est mieux avec le beatmaker. Bah, c'est mieux, ça. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que du coup, le beatmaker, il peut vraiment faire un truc sur mesure, du coup. Ouais, c'est ça, ouais, ouais.
et ça c'est cool. Donc là du coup on va dire que t'as ton instru, et puis après du coup tu peux passer au chant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et après coup... j'écris les paroles. Ouais. Donc la plupart du temps, pareil, je prends mon téléphone, je regarde ce que j'avais pu noter à droite à gauche. Ouais. Je prends en général quand même un thème, un peu pour tourner autour d'un thème, et je prends mes paroles, tac tac, je regarde qu'est-ce qui peut aller là. Et... Ok. Et je mixe tout ici, là, sur ce petit canapé, je rassemble tout, et après dès que c'est bon, je suis parti avec tout mon texte fini. Ouais. Et bah je vais pour enregistrer. C'est super long à enregistrer. Ouais. Vraiment. Ah ouais, ouais, ouais. Dès que je fais ma prise, il y a toujours, tu sais, je la réécoute, il y a toujours un truc qui va pas. Genre pour moi, c'est jamais parfait. Faut que je la refasse. Genre c'est quoi, c'est au niveau de ta voix ou c'est un bruit qui peut avoir Non, au niveau de ma voix et de l'intonation, des mots, comment ils se suivent, comment tu les prononces et tout, ça a vraiment de l'importance. Okay, genre, par rapport au flow, de comment t'écoutes ta musique et tout. Mm. Et du coup, l'enregistrement, je mets bien une après-midi entière, vraiment entière, enfin pour enregistrer toutes mes paroles. Et après le mastering. Du coup, moi j'ai le mixage, mais ouais, c'est... Ouais, oui, c'est ça. Du coup, après t'as ça, t'as le mastering du coup. Ouais, le mastering, c'est le mixage, pour que les gens y comprennent. Ouais, voilà. Le but, ça va être de prendre... Bon, si on rentre un peu dans des termes plus techniques, c'est la bande Hertz de ton son, de la compresser ou de la décompresser au mieux pour que tu aies vraiment le son idéal au niveau du rendu, pour que ce soit propre, lisse. D'accord, ok. Et que les gens ils se disent pas, ah oh, putain, ça crésille, je sais pas, là c'est trop fort là, machin. T'as du montage non à faire Faire coller la voix sur l'instru. Ouais. Bah, ça, je fais en montage vidéo ça. Pareil, dans l'extrait que je vous ai mis, forcément, c'était sur un clip vidéo. Pour l'instant, les clips, c'est toi qui les réalises. Par contre, tu fais voilà ça, c'est que tu fais vraiment tout. Les clips, c'est fait avec ça. Tout bête. Ouais, c'est bon. Il y a pas mieux. Dans la vidéo qui est sortie il y a 2 semaines où il y avait Trotman qui disait pareil que le téléphone tu perds des trucs de fou, bah là vous avez la preuve avec un téléphone, là il filme en 4K 60 FPS. C'est ça. Là, du coup c'est ça, quand on recoupe tout ce que tu viens de dire, bon on a un son. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as fait comment du coup pour te former à tout ça? T'as appris par toi-même du coup? Alors j'ai appris par moi-même. Ouais. Et je me suis formé mais tellement longtemps avec des vidéos de 10 heures. Tu sais, j'ai une vidéo, elle dure 10 heures. Comment utiliser FL Studio, donc le logiciel sur lequel je travaille. Et pendant 10 heures j'étais là dans mon écran pendant le confinement. Ah oui, donc c'est assez récent quand même. Je maîtrisais déjà le logiciel, mais le mastering c'est vraiment la partie la plus importante. Okay. Et ça, je me suis informé pendant le confinement. Donc là, je pense qu'on a un petit peu tout vu. Alors c'est vrai qu'on n'est pas non plus rentré dans les détails parce que ça reste assez technique. Après, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours aller demander à Victor. Où c'est qu'on peut voir ton travail? Où c'est qu'on peut voir tout ce que tu fais? Sur Instagram, je mets toutes les actualités. Ouais. Donc, Vanco officiel. De toute façon, je mettrai tout. Et je réponds à tous les messages. N'hésitez pas aussi à aller voir sa chaîne, du coup c'est là où vous voyez ses récents sons, notamment Rock Life. Mm. Et puis t'avais d'autres sons aussi que t'as posté. Ouais, c'est ça, j'avais 5 sons. Ouais, 5 sons clippés, et puis un petit album sur SoundCloud. Pareil, je mettrai tout dans la description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéos dans des contextes totalement différents vous plaisent. Moi je trouvais ça cool, ça me permet de changer un petit peu. Puis j'aime bien du coup vous partager aussi des choses du coup, qui m'intéressent, comme ça vous fait découvrir d'autres choses. C'est cool de faire aussi découvrir un peu ma passion. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Puis bien évidemment, n'hésitez pas à me notre en commentaire, et puis moi je vous dis à mercredi prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Allez, bon ride.